Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite carte, je dirais printanière, un petit peu, enfin sympa, quoi. Voilà. Alors, je suis partie donc avec un dice qu'on avait eu à Action il y a longtemps, et du coup, j'ai juste récupéré les découpes là. Donc, je les ai colorisées. Et donc, on va partir pour faire la carte. Alors, hop, je vais mettre des petits points de colle là. Hop, là. Je viens de la remplir, du coup, elle coule un peu vite. Je veux pas mettre trop de colle. J'espère que ça va vous plaire. C'est que des dice Action hein, que j'ai pris. Donc normalement, peut-être que vous les avez. J'aime beaucoup faire ce style de carte. Je trouve que c'est assez, assez printanier. Printanier, été. Nos petites abeilles. Hop. Voilà. Là, j'ai dessiné une petite un petit nid d'abeilles comme ça. Je l'ai embossé à chaud parce que j'avais de l'embossage jaune et là c'est juste colorisé. Et du coup, je vais y mettre là comme ça. C'est vraiment des anciens tampons, ça. Enfin, bon, là, je l'ai dessiné, mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment des anciens trucs d'action, quoi. Je crois que c'est au début que je faisais du scrap qu'il y avait ce dice-là, comme ça, là. Et c'est vrai que moi, j'aime bien. Donc là, je vais remettre. Hop. Des petits nids comme ça. Là, je vais mettre. C'est des découpes de feuilles. Après, je coupe et autres. C'est pareil, il me semble que c'était Action. Donc, je vais y coller comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Sauf que dimanche, bon, il y avait le salon du scrap à Chambéry, mais j'irai pas parce qu'on est. Alan commence toute la semaine à 6 h du matin. Donc, bon, après, ça me fait des grandes journées. Me lever, enfin, aller marcher des kilomètres encore au salon. Du coup, j'ai plus. Ça me dit trop rien, on va dire. Là, j'ai une petite fleur. Alors, je fais tout au fur et à mesure pour ne pas me tromper. Là, j'ai une petite fleur. Hop, je vais la tamponner avec le Memento, le rose comme ça, que j'adore. Et du coup, je vais la tamponner là. On va mettre une autre là. J'ai des reflets, je vois pas. C'est gênant. Voilà.
Ensuite, ici, non, je me trompe, avec mon Posca noir. J'aime beaucoup m'en servir. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait là, les traits, c'est tout avec le Posca noir. Alors, je vais faire des petits traits comme ça. Vraiment, bon, c'est très simple comme carte, mais j'aime bien. Je ne vous ai pas dit, elle fait 12 sur 15. Là, 12, 15. Et là, hop, c'est pareil, c'était un tampon action, c'est une petite abeille. Et du coup, hop, ma Versafine noire. Je vais en mettre une ici et une là au bout. Voilà. Ensuite, là, je vais refaire une petite fleur en dessous. Ah, je me suis trompée, je l'ai fait en noir. Ah. Bon. Voilà, j'étais avec le noir. Tant pis, je la coloriserai. Parce qu'alors là, pour la refaire correcte, oui, c'est pas grave, je la coloriserai. Ça se verra pas. Du coup, hop, là, je vais remettre des petit nid. Là, je mets des plus petits ici. Voilà. Là, j'ai tamponné une abeille que j'ai colorisée et hop, j'ai imprimé un petit pot de confiture que j'ai colorisé aussi. Et du coup, je vais le poser comme ça, un petit peu de travers. Je vais le mettre, ouais, plus par là. Hop. Et je mets ma petite abeille dessus comme si elle portait son petit pot. Voilà. Là, je vais mettre un morceau de feuille comme ça. Là, je vais remettre. Hop. Des petits nids jaunes. Et ah, je vais en mettre là aussi.
Je les ai posés là à côté, comme ça. Hop. Là et là. Et un petit ici. Voilà, j'aime beaucoup. Là, j'ai tamponné la vie, la belle vie. J'ai alors c'est avec ce stylo-là. Ça fait un moment que je l'ai. J'aime beaucoup parce que c'est pas jaune, c'est un peu jaune orangé. Enfin bref. Et du coup, je vais mettre mon tampon là dans le milieu, mais je vais le mettre sur de la mousse 3D. Hop. Celle-là, elle est un peu large. Là, voilà. Alors moi, j'ai mis ce sentiment-là, mais après, vous mettez celui que vous voulez, hein. Je vais remettre un là. Hop. Voilà. Je le mets comme ça. Je vous ferai voir après. Là, j'ai un morceau de branche que je vais coller comme ça. Pas de branche, de feuille. Bon, les températures ont un peu baissé, c'est quand même plus agréable, moi je trouve. Parce que d'avoir trop trop chaud, c'est pas top. Voilà, là je vais mettre une petite fleur. Sans me tromper de couleur. J'y mettrai quelque chose là, je verrai. Pour y rectifier. Je trouverais bien quelque chose. Voilà. J'aime beaucoup. Hop, une petite abeille ici. Je vais me mettre à l'envers par contre. Ce sera un peu plus pratique. Voilà. Hop, ça je nettoierai après. Et là, je vais remettre. Hop, une petite. Après, moi, je fais comme ça, vous ferez comme vous voudrez, bien sûr, hein. Là, je vais remettre une petite feuille comme ça. Et ma petite carte va être finie. Voilà.
Là, je vais couper. Alors, j'ai pas voulu faire en jaune autour parce que, bon, je trouvais après ça faisait vraiment trop, trop jaune. Donc, voilà. Après, celle qui veut ancrer autour, elles ancrent, moi, non. Il me reste un truc, je vais le mettre là. Et voilà pour ma petite carte, toute sympathique que je trouve, assez simple à faire, bien printanière. Voilà. J'espère que mon idée vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à jeudi. Au revoir.